tout le monde, c'est Chichi, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur The Crew 2. Aujourd'hui nous allons découvrir les épreuves de type off-road. Donc voilà, on va se balader plus dans la nature, dans les grandes canyons, dans les forêts, etc. Je sais pas tout à fait ce que ça va donner, on va le découvrir ensemble. Pour ceux qui veulent voir les épisodes précédents, la playlist est dans la description. Ainsi vous pourrez les voir tous d'affilée, tranquillement. En tout cas, c'est le mode que j'attendais le plus des 4, le off-road, voilà, conduire en dehors des chemins, dans des terres de type, voilà, boue, moi, herbe, etc. Cailloux, mais ça, je préfère. Bienvenue dans mon show. Cherche quelqu'un qui a pas peur de sortir des sentiers battus. Je veux bien prêter une caisse si t'as ce qu'il faut. C'est ça que je veux, moi. Et qu'est-ce qu'il faut? Prends les clés, mon ami, et tu le sauras. Si tu gagnes, tu gardes la voiture et tu pourras participer à de vraies courses. Si tu perds, je reprends ma bagnole et c'est ciao. C'est ciao. Perdre, pas vrai. Ciao. Non, bien sûr que non. Alors nous, on parle jamais. Tour. Ah, les gars, je suis trop content là. Let's go. Oh wow, juste ce panorama les amis. Oh là là. Ah bien sûr que nous avons la nitro. Ok, donc notre objectif c'est voilà. Je pense que ça c'est le score de notre ami qui nous a défié tout à l'heure. Et du coup on doit le battre. Oh là là, mais juste regardez un peu ce paysage. Juste pour admirer. C'est incroyable. Oh là là. Ouh. Wow. Ah j'ai beaucoup d'avance. C'est plutôt bien. Il y a plusieurs chemins parfois, effectivement, comme ici. Wouah! Oh là là, elle a de la patate la voiture, elle a de la patate. Vite, vite, vite. Ah mince! Non! Non! Il est où l'objectif? Enfin, il est où? Je sais même pas où est-ce qu'il est, s'il faut, il est largement devant moi. Je vais voir ça. J'avais de l'avantage tout à l'heure, alors pourquoi pas la garder? Ce serait bien. On peut tout défoncer les cactus. Oh là là. C'est vraiment stylé. Wouhou. Oh vraiment. Une bonne prise en main je trouve. On ressent bien la sensation. Et ça j'adore. Ça j'adore. Allez on se concentre. Aïe aïe. Allez on va freiner parce que je freine jamais moi. Oh là là. Ça va, j'ai 22 secondes d'avance alors que je me suis complètement raté. Oh, c'est bien ça. Oh, on est déjà à l'arrivée, ça va assez vite. Enfin, déjà, il reste 2 km. Oh, le jump. Oh, le jump. Oh, magnifique. Et un deuxième, on enchaîne. Je rappelle que je découvre tout ça en même temps que vous, les amis. Par contre, c'est un peu difficile parfois de freiner vu que ça glisse à mort. Elle reste 1 km jusqu'à l'arrivée. Faut qu'on garde l'avantage que nous avons. Allez, tranquille. Ça, voilà, c'est une ligne droite. Voilà, c'est pas très compliqué. Faut juste être un peu concentré. Voilà, moi, surtout, j'adore admirer le paysage car il est magnifique. C'est juste très, très bien fait. Oh là là. L'avantage que nous avons, les amis. Et un petit peu de nitro pour la fin. Faut qu'on parle de ton avenir, toi et moi. Terminer l'épreuve. Et ta nouvelle voiture. Oh yes, on a gagné une voiture. Et les gars, dans le dernier épisode, on était pas si populaire. Et on se rapproche petit à petit, même si on a encore beaucoup de chemin, jusqu'à la célébrité. Là, on a la popularité, ensuite la célébrité. Chacun son moment, chacun son tour. Famille off-road, franchement. J'ai trop hâte de vraiment faire les courses de ce type là. Car je pense que ça va être mon préféré. Bien sûr, il y aura encore d'autres courses dans cette vidéo sur cette off-road. Sûrement encore 2 courses du mode off-road. Voilà, je préfère faire des vidéos. Enfin, dans chaque vidéo, il y a des courses de même type à peu près. Comme ça, au moins, il y a un objectif à la vidéo. S'améliorer sur un thème, etc. Alors que si c'est mélangé, si je fais un peu d'avion, un peu de bateau, c'est un peu confus. Vous comprenez? Je
parie que toi, tu veux faire partie du troisième groupe. Lui, c'est Tucker Morgan. Mais tout le monde l'appelle Tuck. Il se prend pour le champion du coin, mais on va montrer à cet amoureux de la nature à quel point il a tort. Bien sûr. Il passe son temps à explorer des nouveaux coins. Beaucoup de mecs font ça ici, mais ils se plantent. Il ferait bien mieux de se concentrer sur les courses. Nous, on Même va. Si s'entraîne pas, ça nous on va tout faire. Toi, on va s'entraîner sur les courses et on va découvrir le paysage. En fait, oh là là, la Red Bull. Passe oh là à l'atelier pour récupérer ta bagnole. Magnifique. Vois ça comme un investissement pour ton avenir. Les autres modèles. La motocross, j'ai aussi très hâte. Faudra que tu les gagnes. Ils disent toujours ça. Ok, bon. Nouvelle discipline. Rally Raid. Oh là là. Motocross. Ouh, on a découvert deux nouvelles disciplines. Ça fait plaisir. Et pour le troisième, il faut avoir le niveau célèbre. Pas de souci. Récupérez votre véhicule Rally Raid. C'est celui-là ? Oh, il nous a... Non, il nous a pas donné celui-là quand même. Non. Il nous a donné ce buggy ? Non. Incroyable. Si, il nous a donné ce buggy. Le proto-buggy. Oh là 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 là. Mais notamment, il y en a plein d'autres qu'on va acheter dans mon avenir. Mais franchement... Oh, celui-là, il a l'air vraiment stylé. Il y en a plein. Bon, pour l'instant, on va partir sur celui qui nous a été offert. Et on va pas se plaindre. Hein. Là, on n'a pas le choix, de toute façon. Mais bon, je l'aime bien comme elle est de base. On est presque à 20 000 followers. On se rapproche de notre but, devenir une star. Oh là, toutes les courses. 18 nouvelles ouais, activités, donc, franchement. Ça te dirait de gagner de l'argent juste en conduisant? Il y a un magazine qui nous a demandé de prendre des photos pour eux. Regarde l'album photo pour savoir lesquelles. Rien ne t'y oblige, mais c'est de l'argent facile. Ok. Pour regarder soi-disant un photo-album, mais je ne sais pas tout à fait où il est. Pour l'instant, les amis, moi je propose de partir sur l'épreuve X-Class Mercedes-Benz. C'est du Rally Raid, 2100 followers, 15 500 bucks. Et moi je dis let's go baby, let's go, let's go. Ah là là, wow. Magnifique cette caisse. Toi et tes concurrents, vous allez devoir conduire un pick-up Mercedes Classe X. Vu que vous aurez tous le même, c'est le pilote qui fera la différence. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. Déjà que j'adore les Mercedes dans la vraie vie, alors celle-là, franchement, elle est magnifique. Elle est vraiment très très belle. Waouh. Ok. On est tout seul, une fois de plus. Ah ok, du coup on a un score à battre, pas de soucis. Ok, ok. Après bon, il y a un petit avantage, comme ça on peut pas se pousser, ils vont pas me gêner. Ouh, ah ça j'adore. Ça j'adore les parcours multi-allées. Oulala, oulala. Attention, wow. Wow, là je, c'était pas fait exprès là, il y avait un caillou ou quoi. Ah oui. Oh ça va, l'objectif il est juste là. Non, on va couper, on s'en bat les steaks. On a quand même un 4x4 non. Allez. On va suivre les flèches. Après voilà ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de oh mais c'était là, oh, ça va c'est pas grave. On suit la route. J'allais dire il y a beaucoup de chemins qu'on peut emprunter. Donc voilà, si on peut faire la course plusieurs fois. Et voir différents parcours, voir différents chemins. Ça c'est bien. Par contre, je sais pas si on peut péter les armes. Je vais pas tester. Hein. De toute façon, à un moment, je vais bien m'en prendre. Hein. Allez. On passe au checkpoint. Les courses, c'est pas les plus longues. Mais pour l'instant, c'est celles qui me font le plus kiffer. C'est pas très compliqué. Voilà, c'est des. Il y a beaucoup d'espace. C'est quasiment des lignes droites. Après, voilà, on est quand même dans un désert. C'est un petit peu normal. Il est juste derrière. Faut essayer de prendre l'avantage. Mais bon là je suis à fond hein. Je suis vraiment à fond. Je donne tout. On est à 35% de la course. Oh là là, c'était compliqué. Oh, une descente, voilà. C'est ça qu'on veut, plus la nitro. Oh my god. Oh my god les amis. Oh my god, faut faire attention. Parce que là la moindre erreur peut coûter cher.
Oh, il est difficile à manier là. Wouhou. Oh là là, par contre, c'est juste magnifique. Je kiffe. Non. Oh, on passe au-dessus de la route, au-dessus des voitures. C'est magnifique. Wow, là, on va vraiment vite. Oh, cool, cool, cool. Wouhou. Wow. Ok, ok. Oula, fais gaffe, il y a des arbres. Allez, on freine pas, on est fou. Ça, on a beaucoup d'avantages. Oh, c'est bon, c'est bon. Ça va, c'est une course qui est pas très courte, mais pas très longue. Je trouve que c'est plutôt bien comme ça. Des courses de ce temps-là. De cette durée-là, plutôt. Aïe, voilà, on peut pas se prendre. Ok. Non, il va me rattraper, vite, vite, vite. Ça va, heureusement que j'avais beaucoup d'avantages, mais... Enfin... Oh là là, encore un jump, ça fait plaisir. Ouh. Wow. Oh. Pour l'instant, je suis en train juste de kiffer. Faut juste que j'améliore un peu ma route pour pas me prendre ces arbres. Ces foutus arbres qui peuvent me faire tu perdre des courses. Tu t'en tires pas mal pour l'instant, mais lâche rien. Oh, oh, oh. Oh non. Non. Oh là là. J'ai cru qu'on pouvait passer par là-dessus et... J'ai complètement raté. Enfin, on pouvait passer. Oh, vous avez vu l'animal ou pas? Oh là là, ça je kiffe. Non. Non. Ça. Là, normalement, on peut rouler. Non, on peut pas rouler. Ok. Et on doit passer par où? Là, on peut passer. Non, on peut pas passer. Par où on doit passer? Ah, ok. Par où on doit passer? On doit faire le détour? Non. On doit quand même pas faire le détour. Ben, si. On dirait que si, parce que je vois pas d'autre moyen. C'est un peu dommage. J'aurais bien voulu passer par l'eau, mais c'est pas grave. Ah voilà, ici il y a, une indication, donc voilà, c'est normal qu'on doit passer par là. Après, peut-être qu'il y avait un raccourci, hein, mais j'ai pas vu en tout cas. Si vous savez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà, en tout cas, normalement on est large, large premier, malgré quelques fautes qu'on a fait. Waouh, c'est bon les amis. Oh, on a tout défoncé par derrière. Battez 4036 largement. Easy pépère. Et on gagne beaucoup de bucks et de followers. Ça c'est grave grave bien. Oh là là. Dites-moi quelle est la discipline qui vous plaît pour l'instant. En tout cas moi c'est celle-là. Nouvel véhicule gagné. Oh, on gagne un véhicule, cool. Oh yes yes yes. Ça fait plaisir, Mercedes-Benz X-Class qui est largement, largement trop stylé. Plus que trop stylé. Oh là là. En tout cas, on va partir sur cette pente et par la suite, on va lancer une seconde de course ou une troisième. Ouais, une troisième plutôt parce que bon. Wow. Ok, dans les bus on peut passer. Juste, c'est juste magnifique les amis. Wow, wow, wow. Allez. On finit cette descente. Enfin, je sais même pas s'il y a de fin, mais en tout cas, on kiffe. On se prend pas la tête. En tout cas, elle va très vite la bagnole. Elle va très très vite pour un 4x4. Wouah! Aïe. Ok. Ça veut dire qu'on doit stopper. Ok. So. Par la suite, on va partir sur le... Moi, je vous propose le Salt Lake City. C'est encore un rally raid. Et vraiment, j'espère qu'on va bien, bien se défouler une fois de plus. Ce genre d'endroit. Ah là, c'est beaucoup plus montagne. Voilà, il y a de l'air. Et bah, c'est un peu plus de désert et des roches. Parce que ça m'a permis de rester concentré et de faire un bon temps. Rien d'exceptionnel non plus. Mais ça va me permettre de voir où t'en es. Wow, mais regardez un peu, c'est un ours. C'est un ours ou ouais, il est pas ultra ultra bien fait, mais juste, il est grave kiffant. Regardez un ours, mais c'est juste trop bien. Oh là là, on va le laisser quand même. On va pas lui faire de mal. Et là, il y avait d'autres animaux, il me semble. Ah mais il me reste pas beaucoup de temps. Ah c'est bon. Fallait être juste là, c'est bon. Ok. Il me semble qu'encore une fois de plus, on doit battre un score. Voilà, battez 3 minutes 59. Pas de soucis pour toi. Et regardez, il y a des animaux en plein air folle. Oh, oh non, ouf. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que je l'avais fait du mal, la petite biche. Ou enfin là c'est plutôt l'avoir défoncé. Aïe, non. Vite vite, retour en piste, voilà.
Ce qui est bien, c'est qu'on peut respawn. Allez. Non. Non, là, on perd beaucoup de temps. La moindre erreur coûte cher. Notre objectif est largement devant. Il faut le rattraper. Ok. Wouhou. Ah là là. Beaucoup d'adrénaline et ça fait plaisir. C'est pas la voiture la plus facile à manier. Mais c'est normal, maintenant c'est un 4x4, c'est un gros véhicule. Waouh. Allez. Si on conduit comme ça, on va l'attraper, c'est une certitude. Oh les let's go. On va passer par ce côté là. Ah c'est bon, on est en train de le rattraper sur la mini map à droite, on peut voir. Le point blanc se rapproche de plus en plus de lui. Faut faire attention, faut rester concentré. On peut voir les traces de notre adversaire. Waouh waouh waouh. Allez, je me concentre. On se rapproche de plus en plus. Le voilà, on le voit au loin. Par contre, il me semble que notre voiture a beaucoup plus de patates. Et ça, c'est bien. Ah oui, j'avais oublié la nitro, bien sûr. Waouh. Heureusement que je ne me suis pas pris entièrement. Oh, allez. On est bientôt à 50% de la course. On est juste à côté. Ça va être serré jusqu'à la fin, je pense. Maman, c'est là, ouais, c'est bon, c'est là. Ok, faut passer sur les rails. Pas de soucis. Ah, ok, on peut descendre là. Ok, on peut descendre là. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais on va voir ça dans quelques instants. Si, normalement, ça doit être une bonne idée. Good, good. Ah oui, parfait. En plus, on est en train de le semer derrière. Comme quoi, nous aussi, on a du skill. Malgré qu'on est parti très, très mal, eh bien, on a su revenir. Allez, on met un petit peu de nitro sur cette ligne droite. Je kiffe. En plus, la musique derrière qui fait vraiment road trip, qui fait vraiment un peu cowboy, même si c'est pas une 100% cowboy, mais elle fait un peu cowboy. Et ça, j'adore. Vraiment, elle fait aventurier. Voilà, je cherchais le mot, elle fait aventurier. Et ça, je kiffe. Allez, comptez combien de fois j'ai dit le mot kiff. Parce que bon, j'ai dit beaucoup de fois. Allez, là, il reste plus rien. Il y a plus d'armes, il y a plus rien. Ouh. Ah ouais, on a laissé la nature derrière et là on est plus vraiment sur du sable. Oh oui, là on est vraiment dans le désert, magnifique. Oh, pour la première fois les amis, on est dans le désert. On va mettre un petit peu de nitro. Oh, on voit des aigles, des oiseaux, etc. C'est incroyable. On est passé d'un environnement à un autre complètement différent. Oh là là, faire attention quand même. Et voilà, il reste pas beaucoup de temps, on a beaucoup d'avance. 5% de la course, là voilà, on voit l'arrivée. Magnifique les amis. Oh là là, l'avance que nous avions. Magnifique. T'as explosé le temps que j'avais fait. Largement. J'imagine que je dois te féliciter. Bien sûr. Oh les amis. Et voilà, ça fait extrêmement plaisir. Je vais voir si on peut améliorer quelque chose dans les véhicules que nous avons reçus pour l'instant. Rien de plus. Voilà, c'est nos 5 véhicules. Nous avons une voiture, un 4x4, un buggy, un bateau et un avion. Pour l'instant, on se débrouille très très bien malgré qu'on a raté 2-3 courses. Sinon, on s'améliore en tout cas. On s'améliore. Là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de doute à avoir. Oui, je force et alors. On peut pas passer. Ok, on peut pas passer. En tout cas les gars, on va se quitter sur ce. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que les courses off-road vous plaisent. Si vous voulez en voir plus sur ma chaîne, n'hésitez pas de le dire en commentaire. Et moi, je vous dis ciao ciao sur ce magnifique environnement.